quel bangala que moi je n'ai pas connu. Allez, lâche un pouce bleu, c'est pour nous encourager. Lâche, merci. C'est... Madame et messieurs, soyez les bienvenus à la communauté bilingue. Quel bangala que moi je n'ai pas connu. C'est triste, Mawa. C'est grave. Moutou. Quel bangala. Ah, oui. Ah, donc vous nous expliquez les différents bangalas que tu as connus dans ta vie. J'ai connu Anaconda. Maman. J'ai connu le bout rose. Oh. Il y a quel souci? Bout noir. Crochet. T'as mon souci. Mon souci, Yéwan. Correction. J'ai connu même Kikinet. Ah, quelle humiliation. Et pour Kikinet là, comment tu l'as fait au lieu alors? Jusqu'à tellement que j'ai framponné Kikinet. Peuple yandenge nini nsambe na ngai. J'ai dit Kikinet, quand tu mougou ne va pas tout droit, frappe sur les parois. Ah bon? Mais pourquoi tu veux qu'il frappe les parois? Parce que j'étais une grande mougousseuse professionnelle à Yahweh. C'est prostitution qui est mieux pour toi. Quitte-la. Ah, donc tu risques de tuer certains garçons au lit. Il a dit quand je t'attrape comme cela, quand je te laisse, tu marches en pongota. Pourquoi? Je tire ton énergie. Ah bon? Je suis une bête au lit. Je suis décontenancé. Je suis décontenancé. Avec tous ces différents mangalas que tu as connus dans ta ville, est-ce que tu te sens heureuse aujourd'hui? Oui. Continue. Non. Dis-nous la vérité, tu te sens heureuse, oui ou non? Oui. Applaudissez. Ah, donc applaudissez pour elle. Notre dame d'ouverture, s'il vous plaît, allons-y. Tous les cas, je sais pas ma femme Vanessa. Je sais pas comment elle fait pour qu'elle joue au lit. Ok, ma cote, s'il vous plaît, dis-moi, comment peut-on faire pour qu'une femme joue au lit? Elle dit que quand tu as envie même de faire jouer une femme, son point G c'est très important. Le point G c'est quoi? Mais moi je sais pas où. Et toi, tu connais? Moi je n'ai rien avec ça. Ah bon? Ah, comment ça? C'est-à-dire que tu fais ton doigt comme ça. Tu la pénètres avec ton doigt. Tu mets ton doigt dedans. Et tu vas pas loin. C'est-à-dire dès que tu rentres dans le vagin, dans la foufoune de ta partenaire ou de ta femme, tu ne vas pas loin. C'est-à-dire, écoutez bien cette partie-là. Dès que tu rentres tout de suite, 3 ou 4 cm, voilà, tu mets ton doigt comme ça. Et puis tu commences maintenant. Et puis tu fais ça. Et puis tu fais ça. Même vous parlez, je suis dépassé. Pardon, laissez mon congé. Voilà, c'est-à-dire ton doigt à l'entrée de son sexe. Et puis tu fais ça. Tu fais ça. Et après, je me disais ça. Et tu vas voir, ça dépend. C'est-à-dire que quand tu fais ça, tu vas voir que elle va commencer à être très détendue. Elle va commencer à avoir des gestes de quelqu'un qui est en train de ressentir quelque chose d'intense. Et donc quand elle fait ça comme ça, ça fait que parfois il y a des femmes qui lubrifient. C'est-à-dire que qui mouillent beaucoup. Et donc quand tu fais comme ça, que tu vois que ta partenaire a beaucoup mouillé. Quand elle... Et si elle mouille alors? Tu mets deux doigts. Tu essaies de mettre deux doigts. Et puis tu es comme ça. Tu es comme ça. Voilà, tu es comme ça. Tu arrondis comme ça et puis tu fais comme ça. Voilà, tu vas voir que ta partenaire, elle va mouiller comme ça. Ah, c'est vraiment intéressant. Hein? Elle va mouiller, elle va commencer à s'agripper sur toi, elle va commencer à t'attraper. Et pourquoi elle va commencer à m'attraper alors? Parce que tu as trouvé son point G. Ah, comment ça? Parce que tu es en train de lui procurer même plaisir. Oui, oui. Oui, oui, oui. Demandez aux filles qui sont ici combien de fois tu as séduit des hommes à travers le téléphone. Hein? C'est une blague. C'est toi qui as commencé? Ah! L'homme de truie était assis chez lui.
en train de prier son bon Dieu. Mais elle a commencé par quoi, pasteur? Et tu as commencé avec les messages. Oh my God. Bonjour. Fonca. Salut. On te salue, tu ne réponds pas. Hey. Ce n'est pas bien. On voit que tu es occupé. Tu sors avec qui? Près de ton station. Pardon? Hein? De fil en aiguille, l'homme là est tombé amoureux de toi. C'est toi qui as commencé. Hey! Avec les saluts, les bonjours. Hey! Femme de Potiphar. Maoué. Femme de Potiphar. Femme de Longangue. Dans le temps, c'était pas facile. Hein? Une fille qui va à la prière et tu la suis. Bonjour. Elle dit, quitte ici. Espèce de macrofouillard. God have mercy upon us. S'abonnez-vous. Je demande à tout le monde de partager. S'il vous plaît, abonnez-vous. Ok. Bye bye.